Et donc salut tout le monde, c'est Aku et on se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémon Sage. Et donc depuis le dernier épisode j'ai à peine XP, à peine on va dire, parce que ils sont tous niveau 15 là, c'est bon, Cornet de Glace et Tinder. Et donc là on va explorer un peu la ville pour voir s'il n'y a pas des trucs à découvrir. On va voir toutes les maisons et tout ça et tout ça. Bon, il me semble qu'il n'y a que l'arène. Ok, d'accord. Ah mais je parle pas, je veux pas parler à Tinder. Tinder souffle, sniffe le sol, d'accord, si tu veux. Chacun ses délires. Alors on va aller édifier cette arène. Ok, c'est un jouet. C'est une école, c'est une garderie ce truc ou quoi? Tu es ici pour affronter Foster. Attention. Il a l'air sympa, mais ses Pokémon sont effrayants. Si tu veux. J'ai toujours voulu un Pokémon à moi. Bien, un jour j'en aurai un gros et fort. Okay, comme je pourrais en avoir. Et champion the making. Je suis content de te rencontrer. C'est les traîneurs sont cachés dans la neige. Ils vont faire des screamers, d'accord. Il y a un dresseur ici, non? On peut pas. Ah, mais c'est le bonhomme de neige. Surprise! Waouh, je suis étonné. Bon, on va voir s'ils sont forts. Ok, niveau 9. Je pense que ça va le faire pour cette arène. On n'aura pas trop besoin d'XP. Cube 0. Allez, salut! Et je pense que finalement le let's play va s'arrêter un peu plus tôt. Parce qu'il y a la démo, du coup, vraiment pas beaucoup de contenu pour le moment. Enfin, c'est déjà pas mal hein, d'avoir fait tout ça, mais je pense que je vais reprendre le let's play quand il y aura plus de contenu. Quand j'aurai fini bien sûr le contenu qu'il y a déjà. Et donc après, je reprendrai les mêmes que Pokémon et tout, et on pourra continuer le let's play. Flame Charge. Oh, c'est quoi le Flame Charge? C'est pas mal. C'est physique. On va mettre à la place d'Ember. Capig. Mettre un peu de Cornet de Glace. Parce qu'il faut économiser Tinder pour le combat contre le champion. Enfin, après, je vais aller au centre Pokémon quand même, faut pas abuser, mais. Rock Chow. Efficace, roll out. On va voir ce qui est le plus efficace entre Rock Show et Ice Shard. Mais c'est Ice Shard. Bon, au moins ce Capig est moins, c'est moins une tapette que les autres. Au moins il a le cul de faire roll out. Oh, Tinder évolue. What? C'est quoi cette transition? Ça change un peu de d'habitude, on va dire, ah, je vais avoir une crise d'épilepsie. Attention, suspense. Wouah. Trop beau. Pierrot. Pas mal. Franchement, je suis fier de lui. Smackdown. C'est quoi Smackdown? Ouais, on pourrait le mettre à la place de Headbutt, par exemple. Ouais, il est vraiment pas mal ce Pokémon. Hein. Franchement, j'aime bien le concept. C'est pas un Pokémon. Lequel est un vrai? Voilà, c'est lui. On va voir de quoi. Qu'est-ce que t'as dans le ventre, Pierrot? Ouf. Alors là. En plus, ça augmente ta vitesse. Non, quand même. On ne respecte pas ces Pokémon. Le titre de l'épisode.
Bon, je vais mettre Cornet de glace en premier parce que sinon il pourra jamais évoluer lui aussi. Je vais avoir froid dans ce snowman. Ok. Mais tout de suite, il est moins menaçant que Tinder. Ah tiens, combat entre Cornet de glace. Parce que moi je rock show. T'es sûr? T'es sérieux là? Ah voilà, ça c'est du Pengliff. Quelle humiliation. Alors, Bluffin. Non. Je vais continuer à spammer Rock Throw. Ah, il perd la vie quand même, hein. Il est moins résistant que Tinder. Enfin, c'est normal puisqu'il watch à tous, mais bon. Là, on va mettre Ice Shard par contre. Ouais, on peut faire le dresseur avec une corne de glace. Ah là, c'est ça, corne de glace. C'était juste pour voir si... juste m'affronter tous les dresseurs avant de battre le champion. J'espère qu'il va bientôt évoluer, Cornet de glace, ce serait sympa quand même. Enfin, s'il a une évolution, bien sûr. Mais je pense qu'il en a une. Une 16. Allez, plus qu'un coup et puis c'est fini. Double slap. Allez, on a gagné. Non, c'est pas un dresseur lui. Et donc c'est parti pour le champion, on va sauvegarder. Au cas où il y a une mésaventure. Non, je rigole. En vrai, c'est juste pour sauvegarder, comme ça bug. Aku c'est toi, Akuryu c'est toi. Ça faisait très longtemps que je t'avais pas vu. What? Tes parents usés. Attends, tes parents utilisés. Ah oui, tes parents te laissaient à la crèche ici. Je ne pensais pas que t'allais aller si loin sur ton chemin. Oh oh oh, oh, bien fait l'animation. Je me souviens de toi quand tu pleurais tout le temps. Et quand tu tombais dans le flux, dans la neige. Quand tu tombais dans la neige, tu as beaucoup grandi depuis ce temps. Je te souhaite les meilleures des chances. Mais je suis un gym leader, donc voilà, je te ferai pas de pitié. Maintenant, on va faire un combat. Le premier champion, il a une gueule de con, c'est Pengliff, niveau 13. C'est vrai, c'est facile, tu peux le faire. C'est quoi ça? Ça sert à rien. Smackdown. Oh, Smackdown. C'est la même attaque qu'il a Tinder. Heureusement que c'est un peu random, les champions d'arrivent. Oh, quand on se passe Richard, il est super puissant. De toute façon, je te haise quand même. Va chercher. Alors. Ouais, c'est comme ça. Ouais, comme ça, il aura la voix libre, Tinder. Il aura pas le hail qui l'embêtera. Allez, salut. Cube 0. On va essayer de continuer avec. Non, on va essayer de continuer avec Cornet de glace jusqu'à qu'il crève. Beat. Désolé, je suis un gamin, je sais. Ouf, c'est bien ça.
Allez, normalement tu as. S'il fait pas de coup critique. Ah. Putain, corne de glace. Tu as fait un bon bout de chemin. Maintenant c'est à Tinder d'assurer. Voilà. Maintenant il est invincible avec son sa vitesse qui va augmenter. Cube 0. Oula. J'avais jamais vu. Ah, tu es fort. Mais je n'ai pas je n'ai pas encore perdu. Ok. Puissance cachée. What? C'est quoi sa puissance cachée? Bon, ben on a perdu, hein. Ça tombe bien, attends, on est à combien de minutes? On est à 13 minutes. Donc maintenant, je vais essayer de le je vais essayer de le battre cette fois. Mais on se retrouve après un peu d'XP. Donc à tout à l'heure. On peut y aller maintenant. Alors on va visiter la coal mine. Écoutez. Il reste combien de temps? Ça va, il reste encore à peu près 7 minutes. Il y a beaucoup de champignons, je dois l'avouer. Ok, il n'y a rien à visiter en fait. Absolument rien à visiter. Ouh, c'est quoi ce truc? What the fuck? Bon, on va le défoncer, pour la peine. Bide. C'est pas très efficace, on va essayer Ice Sharp pour voir ce que ça fait. C'était bizarre en effet. J'ai cru voir ma vie défiler sous mes yeux. Bon bah au pire vous savez quoi, on va aller dans la coal mine mais de l'autre côté dans la ville là qu'on n'avait pas exploré. Donc je vous dis à tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve à Tremol Town. Je vais juste visiter cette petite maison avant d'aller à la coal mine. Ok, pour voir s'il n'y a pas un truc intéressant parce que j'ai vu une affiche du cowboy. Donc je veux juste voir si il ne sort pas par ici. Non, il n'est pas caché par ici. Il est peut-être dans la coal mine, hein, qui sait. Là ils sont en train de se battre, on dirait. Écoutez, avec un insecte chelou, on peut pas faire grand chose. Ni avec un goblin d'ailleurs. Qui s'est fermé ici. C'est fermé. Voilà. Ouf, un goblin, on peut le voir ici. Mes Pokémon, aide-moi dans mon travail. Et rendre mon travail plus facile. Ok, d'accord. J'ai pas ce match, Rock. Non, je ne l'ai pas. Désolé, j'avais envie de le tuer. Ah merde, il est même pas mort. Bon, je me fuis, je m'en bats les couilles. Hein. Je fuis. Au pire, vous savez quoi? Je préfère quand Tinder me suit parce qu'il avait plus la classe que Cornet de glace quand même. Même si Cornet de glace, il faut avouer qu'il est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite ici? Coblin. Niveau 4. Je crois qu'il fallait aller dans la coal mine avant en fait. Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est quoi ces gens? Depuis combien de temps ici tu n'as... C'est très dur de travailler, de trouver le bandit. Ah d'accord, en fait, il cherche le cowboy. Ces tracks sont... ces chemins sont sûrs. Mais c'est plus drôle d'aller dans le carton, qu'est-ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu me proposes toi? Tu veux me sortir un cobli niveau 4? Ah ouais, cobli niveau 6, bravo. Bon bah salut hein, tac là, je te respecte même pas tu vois. Et ouais, moi je suis une machine. Ah merde. J'ai battu le champion hein, attention. Avec que de la chatte en plus. Bon allez salut. Alors, Minardi. Je veux ride le kart. Ouh, pas mal. Ok,
Qu'est-ce que c'est qu'ici? Cool, une escape propre. J'en ai pas besoin, mais bon. Allez, je vais me battre contre toi. J'ai envie de finir ce jeu. J'ai envie de jouer à ce jeu au maximum. Donc cet épisode sera peut-être un peu plus long. Hein. Écoutez. Là. Minarak. Oh, c'est quoi ce truc? Ça doit être un type insecte. Ouais, c'est un type insecte. Je n'ai jamais vu ça. Bon, bah ça m'intéresse pas trop. Hein. Tu peux prendre l'escape prop si t'es perdu, ok. Je vais essayer d'aller là. Je peux, on peut pas aller là? Non, on peut pas. Attendez. Bon, bah si on peut pas, on peut pas. Écoutez, je vais pas faire mon difficile. Qu'est-ce que tu fais ici, enfant? Retourne chez toi. Je vais te faire. Foutre. Tu sais très bien que je te défonce en combat Pokémon. Donc arrête de rager. Tiens, c'est. Katara. Bon, bah, pour le. Bah pour le dernier épisode, bah j'espère, je pense que c'est la fin. Hein. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Koopa League, ni à liker, à partager. Et donc on se retrouve pour un prochain let's play sur un autre jeu. Et donc et on se retrouve et après pour la suite du jeu quand elle sera sortie. Et donc c'était Aku. Merci de m'avoir suivi et ciao tout le monde.